Moi, salut aux amis. Je dis à nous pour profiter, introduire ensemble leçon école, ça va pour ce maintenant. Mais bien avant même que nous entrions dans l'introduction leçon, à nous prier le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, comment pour nous pas remercier, louer, bénir, exalter nous pour ce fait dans l'avenir, pour ce que continuer à faire pour nous. Merci pour l'étude parole que vous avez déjà préparée pour une nouvelle semaine. Aidez-nous pour que nous soyons capables de bien nourrir avec parole ça et comme ça nous sommes capables de venir de meilleurs serviteurs. Et eh bien, à travers l'étude que nous avons fait au cours de semaine concernant la parole. Restez ensemble avec nous, bénis nous, sauvez nous, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Semaine ça, nous allons louer ensemble leçon 8 qui dit comme ça, éducation et rédemption. Éducation et rédemption. Et pendant tout trimestre là, nous voyons qui ça thème éducation lui-même lié. Et mais nous mettons accent sur ça, nous relais. Rédemption, eh bien, mon rédemption, hein, il fait référence avec un bagage que nous-mêmes nous avons gagné et nous venons perdre. Mais pour que nous soyons capables de retrouver ça que nous avons gagné, pour que nous soyons capables de retourner à appartenir avec nous-mêmes, qui ça nous fait, nous payons un prix pour lui. Eh bien, c'est ça, eh bien, que nous parlons pendant ce moment. Eh bien, nous, bon Dieu crée nous, mais à cause de désobéissance, nous, eh bien, nous venons perdre, bon Dieu venons perdre le droit qu'il a gagné sur nous, pour que nous soyons capables de retourner à appartenir ensemble avec lui. Eh bien, il y a un prix que bon Dieu paye, qui c'est le sang de Jésus. Texte que nous parlons pendant ce moment, dans l'étude là, c'est Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, Esaïe chapitre 11, verset 1 à 9, Timothée chapitre 3, verset 14 à 17, 1 Roi chapitre 4, verset 29 à 34, Jean chapitre 14, le verset 17, et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 16. C'est texte là que nous parlons ensemble. Dans la leçon semaine, verset pour nous qui est bien en tête, c'est 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Eh bien, auteur a commencé la leçon pour dire comme ça. La Bible. Eh bien, racontez-nous une longue histoire sous bon Dieu et sous peuple. Parfois, nous avons la Bible comme une histoire d'amour qui part à valo, en tout cas momentanément. Ou bien nous connaissons la Bible tout comme une histoire de un papa avec un ensemble de petits qui quelqu'un qui rebelle, mais qui finit par retourner vinjoine eh bien papa. Mais pour besoin d'étude maintenant, nous allons découvrir, eh bien, dans le récit que nous avons dans la Bible, il y a un autre thème, en l'occurrence, celui de maître et de ses élèves. C'est-à-dire, nous allons voir, c'est un maître avec un ensemble d'élèves, c'est ça que nous allons voir tout au cours de la semaine. Eh bien, il y a un ensemble d'élèves qui, par exemple, s'est échoué face avec épreuve, face avec examen que le professeur lui-même lui passé. Mais nous, le professeur, ça, maître, ça, il est toujours prêt. Eh bien, avec un pile patience pour être capable de réexpliquer le son qu'il t'a baillé, élève lui, jusqu'à ce que gain là-dedans qui prêt pour être capable, eh bien, qu'imber le son ça. Eh bien, récit qu'on trouve dans la Bible, lui semblait avec un pile, eh bien, histoire pas nous. C'est-à-dire avec propre histoire nous, que nous-mêmes nous connaissons bien, à l'exception d'un seul. C'est que l'histoire, bon Dieu, avec peuple lui, eh bien, nous avons garanti que ça a bien fini. Malgré tout ça que nous avons, na vie jodi a nou gen certitude que bon Dieu gen pou le faire toute bagaille vin nouvelle. Et ben nou wè, et ben bon Dieu gen pou atteindre objectif li. Et ben la grâce divine envers peuple li a, c'est un bagaille qui garantit, c'est-à-dire bon Dieu, et ben li garantit nou ki la ba nou la vie éternelle. Responsabilité nou en tant que moun nan relation ça, li souvent mal comprendre. Et même parfois nous kon rive douter. Et parce qu'il y a un peu de monde qui considère Chacha li tout relou, c'est-à-dire pour nous arriver à faire volonté, bon Dieu, pour que nous arrivions à garder parole, bon Dieu, dans la vie. Mais en réalité, récit biblique, il montre nous tout ça que nous apprenons dans la Bible, c'est une invitation que bon Dieu fait ensemble avec nous pour que nous soyons capables de connaître et comprendre volonté. En effet, apprendre à connaître bon Dieu, c'est la principale réaction que nous-mêmes nous devons gagner face avec grâce que bon Dieu lui-même. Li manifesté dans la vie. Eh bien, nous pas capable de mériter une telle grâce. Nous seulement là pour apprendre, eh bien, à connaître grâce à. Et qui ça éducation chrétienne dans lui-même lié. Et sinon, fondamentalement, est-ce que éducation chrétienne
li instruit nous et bien concernant grâce ça. Et bien nous leçon semaine là, li pour montrer nous qui ça bon Dieu lui-même li fait pour que li capable et bien sauver nous. Et bien leçon semaine là, c'est leçon 8 éducation et rédemption, verset à mémoriser de Timothée 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. C'était introduction, leçon semaine, avant même que nous allions en nous prier le Seigneur. Comment pour nous pas louer, bénir, nous exalter, non, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis que nous avons introduit ensemble parole ou que nous avons bien pour nous étudier ensemble semaine. Nous avons déjà ba nous intelligence pour que nous capables mieux comprendre parole chaque jour et vivre dans la vie. Nous n'avons pas de mérite, mais nous prions comme ça dans notre Jésus. Amen. Déjà, monsieur, bonne semaine, bonne étude et que Dieu vous bénisse.